Yo, salut tout le monde! On se retrouve sur GTA pour une petite vidéo astuce comment se faire de l'argent facile grâce à un petit glitch qui a jamais été patché sur PS3, également dispo sur PS4, toujours disponible. Je vais vous montrer comment le réaliser. Rien de plus simple. Vous allez sur GTA Online, bien sûr, hein. Il vous faut alors pour réaliser ce glitch soit cette maison, soit celle-ci, ou voire même celle-ci, ça fonctionnera également. Vous venez dans cette zone, vous prenez une voiture, n'importe laquelle, la vôtre, celle du pote. Alors voilà, vous venez dans ce secteur, ici, dans le grand bâtiment. Je vous remonte sur la carte. Voilà, ici. Et en gros, il faut que vous fassiez un tour de pâté de maison. Comme ça, comme je vous montre sur la carte. Tac, 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 on fait un petit tour. Et vous venez ici de 22h à, si je me trompe pas, 3h du matin ou 4h du mat. Et vous allez avoir des jolies voitures qui vont spawn. Allez, c'est parti, mon kiki. Tutut, tutut. Surtout, la plupart elles spawnent bien ici. Non, là il n'y en a pas. Vous allez voir, elles sont bien fluo les voitures. Allez, on refait encore un tour. Non. Tutut, les voitures. Ah si, non, j'en ai une fois. Non. Il est quelle heure? Oh, bientôt. Bon, on fait un petit tour de chauffe. Alors, les voitures, où êtes-vous? Ah. Non, oui, si, voilà. Hop. Non, sauve-toi pas, toi. Sauve-toi pas. Bon, bien sûr, éviter de l'abîmer. Voilà, et ce glitch, il consiste à de 22h à 3h du matin. Il y a ces voitures qui spawnent. Ouh, la musique. Vous remplissez votre garage avec. Et après, vous allez les revendre. Certaines se revendent entre 10 000 et certaines 50 000. Alors, comment se faire de l'argent facile? Hop. Bon, moi, j'en ai déjà dans mon garage. Regardez, il est déjà plein de garage. Hop, vous ressortez. Alors pour y retourner, vous piquez une voiture PNJ. Ah, comme par hasard, il n'y en a pas. D'habitude, il y en a toujours une quand on sort, une voiture PNJ. Si, si, toi, hop, 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 voilà, toi, donne-moi ta voiture, voilà, merci. Ah, dégage, ça sert à rien. On the inside, you're an adventurer, because nothing impresses people like having hobbies. I want to get that outdoor evil. So, mais j'allais plus, il y en a, so evil. Voilà, allez, c'est reparti. On refait un tour. On va peut-être se cacher un petit peu. On a les maisons pour la gare. C'est le défaut de ce glitch. C'est que des moments, et ben, il y a les flics faciles, vu qu'on vole des voitures. Allez, j'ai pas envie d'appeler Lester. Allez, on se dépêche. La police.
assassin de la police. Assassin de la police. Alors, il est quelle heure? Ouh, on a le temps. 23h20. Je pense que pendant cette petite vidéo, on peut bien piquer 3-4. J'espère, du moins. Bon, après, c'est une petite vidéo astuce. Hein. Non. Voiture. Non. Bon, des moments, elle spawn bien à chaque tour. Des moments, ben, comme vous pouvez le voir, elle spawn toutes les 36 du mois. Ça arrive, certaines sessions. On va peut-être enlever ma voiture, peut-être. On sait jamais. Hop. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Ah si, hop. Donne-moi ta jolie voiture. Merci, madame. Hop, allez, une deuxième dans mon garage. Voilà, et voilà, on ressort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Uniquement de nuit. Je me répète, de 22h à 3h ou 4h du mat. Il y a plein de voitures qui spawnent comme ça. Vous remplissez vos garages. Je remonte au cas où pour ceux qui n'ont pas vu dès le début. Vous achetez cette maison, ou voire même celle-ci. Et vous remplissez le garage avec ces voitures. Et après vous allez les revendre. La technique du pauvre de GTA. Bon, ça bien sûr, c'est mon compte legit. Hein. Oh, top, 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 hop, 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 hop. Allez, donne. Hey. Je con. Allez, une autre, ça serait bien là. Pour la petite vidéo. Ah, j'ai l'impression que ma voiture là elle gêne. On va la prendre. Et quelle heure? Une heure, c'est bon. Bon, après, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent ce glitch. Il existait déjà sur PS3 et il n'a jamais été patché. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du moins, il fonctionne sur PS4, comme vous pouvez le voir. Et pour ça, j'ai dit, vu que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, pas de vidéo, je vous refais une petite vidéo, astuce. Putain, on a fait hier avec un collègue. On a pu en récupérer au moins une dizaine. Et là, comme par hasard, il n'y en a même pas.
ça spawn toutes les 36 du mois. Allez, une petite dernière avant de couper la vidéo, ça serait bien. Allez, s'il te plaît, Rockstar, fais-moi spawn une jolie voiture. J'ai besoin d'argent sur ce compte, je suis pauvre. Ah bah voilà, suffisait de demander. Bonjour madame, je veux ta voiture. Allez dégage. Oh musique de merde. Je vous ai niqué la police. Et voilà, vous remplissez un garage. Hein. Ok, il est tout beau le garage, plein de voitures à revendre. Un petit glitch facile à réaliser solo. Allez, pour le fun, on va en revendre une. On va attendre que la police se casse. Allez police. On va voir là-bas si j'y suis. Ils ont pas envie de partir hein. C'est rare en eux depuis la dernière mise à jour. Après voilà, bah pour revendre les voitures, hein, comme d'hab, hein, LS Custom, vous la prenez, n'importe laquelle. Quand vous avez plus de voiture, vous recommencez le glitch, la technique du pauvre. Allez, revendre 17 000. Et voilà comment se faire de la thune facilement sur GTA Online. Alors en tout cas, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis peace et je vous dis à la prochaine.